idées d'écrire ça. Donc, il faut savoir avec qui on s'engage. Quand on prend le temps, on peut réduire les risques. Comment tu fais pour savoir avec qui est-ce que tu t'engages? C'est la raison pour laquelle il faut que les femmes africaines prennent le pouvoir de décider. Écoutez, sachez que la culture est primordiale dans un mariage. Est-ce que tu serais aujourd'hui capable de donner ce conseil? Quand on est isolé, on est une proie facile. Quand le blanc décide de te faire mal, il ne voit pas toutes ces valeurs-là. Et si toi tu avais su tout ça, est-ce que tu serais quand même mis avec un blanc? En fait, je pense que le plus dur, c'est quand on quitte le pays. La vraie richesse se trouve dans des livres. Ce 4 mai 2024, à l'hôtel Hilton de Roissy-Charles-de-Gaulle, la maison d'édition Argent Livre organise la 3e édition du Week-end de l'écrivain. Assister à un événement de prestige, célébrer les auteurs et entrepreneurs africains et laissez-vous surprendre par des histoires incroyables. Soutenu par Copili, sponsor officiel du Week-end de l'écrivain. Parce qu'un Africain qui écrit, c'est une bibliothèque qui se construit. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien, j'espère que comme moi tu as soif de réussite. Et bien si c'est le cas, on est ensemble. Aujourd'hui on va parler des violences dans les couples mixtes. Entends par mixte les couples entre un noir et une blanche ou alors entre un blanc et une noire. On va être cash. Et on va aborder des sujets très sensibles. On va poser les questions qui dérangent. Parce que le but ici, c'est de lever un pan de voile sur des sujets qui sont très souvent tabous. Surtout lorsqu'on sait que notre invité du jour est d'origine sénégalaise. Et que très souvent au Sénégal, ce sont des sujets qui ont du mal à être exposés sur la scène publique. Bon, je ne sais pas si après notre interview, notre intervenant n'aura pas quelques problèmes. Mais voilà, elle a des épaules assez larges pour assumer le sujet d'ailleurs. C'est l'objet d'un livre qui est en cours de rédaction. Donc, j'ose croire qu'elle a ce qu'il faut pour pouvoir assumer ce qui va suivre. Bref, je sais une chose, c'est qu'au terme de cette interview, tu vas être enrichi. Et surtout, tu pourras avoir une vision plus éclairée, une position plus éclairée par rapport aux violences dans les couples mixtes. Parce que ce sujet m'intéresse d'autant plus que très souvent, on a pour habitude de dire que tout ce qui est mal, c'est auprès de la communauté noire. Sauf que peut-être qu'aujourd'hui, on va découvrir des choses. On ne sait rien. Mais on va découvrir. Mais avant d'aller plus loin, permets-moi de me présenter. Je suis Valère Bégas, promoteur de la maison d'édition, les éditions Argent Livre, la seule maison d'édition qui met en lumière massivement les auteurs entrepreneurs africains, ceux-là qui écrivent pour impacter. Donc si jamais toi, il te brûle l'envie d'écrire un livre inspirant, en 28 jours top chrono, tu as une seule chose à faire, c'est nous contacter sur notre site internet ou en contactant le numéro qui va s'afficher juste en dessous de cet écran. En parallèle, si jamais tu as pour ambition de te retrouver du côté du continent Cameroun, eh bien, sache qu'avec la communauté des chercheurs d'argent certifiés, nous avons mis en place une société de location de véhicules. Ensuite, si tu recherches une berline ou un SUV pour te déplacer dans ces lieux-là, eh bien, tu as une seule chose à faire, c'est contacter nos équipes grâce au numéro qui va s'afficher sur cet écran. Maintenant que tout ceci est dit, on peut souhaiter la bienvenue à notre invité. Bonjour Marie. Bonjour Valère. Ok, ça annonce la couleur là. Niam tiam. Je n'ai pas vu ça venir. Non. non, on est prêt. Mais écoute, c'est un plaisir pour nous de te recevoir ici aujourd'hui. Merci. Et tout de suite, pour ceux qui te découvrent, qui es-tu? Je suis Aloysia Marie Sagna, auteur donc du livre Je veux un blanc. Hein? Je veux un blanc. Je vous avais dit que la pêche devait. Oui. Et c'est un livre qui va parler plutôt. Des violences conjugales dans les couples mixtes. Donc, c'est un livre qui a pour but de sauver les femmes africaines qui ont encore ce désir de venir en Occident à travers le mariage. Moi, déjà, le titre là, ça me secoue, je veux un blanc. Ok, merci beaucoup. En tout cas, ce que j'aime, c'est l'air de rien quand même. Tu as des mots qui. Tu vas pas avec le dos de la cuillère. En tout cas, c'est bien, ça promet, ça veut dire que cet échange va être. Assez tumultueux. Du coup, Youmou, le corps de rêve, qui es-tu pour ceux qui te découvrent aujourd'hui? Le seul Bamena qui nous reste en France. Et ben, je suis Arthur Youmou, auteur, accompagnateur d'auteurs, membre de l'équipe Argent Livre, ingénieur et copromoteur de la société de construction en bâtiment et travaux publics Art Confort, qui au Cameroun donne la possibilité aux gens de la diaspora de pouvoir réaliser leurs projets sur le continent
avec sérénité. Ok, beaucoup de casquettes. Bref, bon, aujourd'hui on a Marie qui est sur le siège des accusés, qui va devoir nous expliquer un peu plus de choses. Marie dit qu'elle veut un blanc, ou du moins le titre de son livre c'est « Je veux un blanc ». Bon, Marie, pourquoi on va décider d'écrire ce livre? Parce que beaucoup de femmes s'engagent, beaucoup de femmes africaines, donc s'engagent dans des mariages sans forcément prendre le temps de connaître l'homme avec qui elles décident de partager leur vie, de partager, qui dit vie dit tout, parce que partager sa vie, c'est se donner entièrement, faire confiance en quelqu'un qui va être décideur de votre vie. Parce que on ne peut pas être marié à quelqu'un et en même temps lui cacher des choses ou lui donner qu'une partie de ce que nous sommes ou de ce qu'on a. Je pars du principe que quand on se marie, on donne tout. Et quand on donne tout, on se met en danger. Donc, il faut savoir avec qui on s'engage. Donc, il faut savoir avec qui on s'engage. Je te rejoins. Maintenant, ma question est celle de savoir, étant donné que l'être humain est un être ondoyant et divers, on peut avoir l'impression qu'on sait avec qui on s'engage, mais avec le temps, on se rend compte qu'on s'était trompé. Donc maintenant, comment tu fais pour savoir avec qui est-ce que tu t'engages? Je pense qu'il y a des signaux dès le départ. Ouais. Donc, des signaux qui alertent. Mais tout est dans le temps. Quand on prend le temps, on peut réduire les risques. Mais quand on va trop vite, eh ben forcément, on peut facilement se mettre en danger. Mais le temps, c'est combien de temps? Le temps, c'est combien de temps? En fait, je pense que le plus dur, c'est quand on quitte le pays. Puisque le but de la plupart de ces femmes, c'est de quitter le pays. Et à partir du moment où on quitte le pays, on quitte tout et on part à l'aventure avec un inconnu. On se met en danger. Donc, il est nécessaire de prendre le temps. La question, tu sais combien de temps, en fait? Est-ce que le monsieur qui vient en Afrique pour des vacances, pour une mission, est-ce qu'il accepte d'accorder du temps à sa partenaire? Est-ce qu'il accepte d'accorder du temps à sa partenaire? Oui. C'est la raison pour laquelle il faut que les femmes africaines prennent le pouvoir de décider de ce temps. Mais pourquoi d'abord se dire, pourquoi déjà décider qu'elles veulent un blanc? Alors, tout part des idées reçues. Vous savez, quand vous avez grandi, je prends l'exemple du Sénégal, donc pour les moins de 18 ans, qui ont aujourd'hui des smartphones, qui ont aujourd'hui la chance d'avoir une télécommande qui leur permet d'avoir, je dirais même pas une dizaine de chaînes parce que c'est plus que ça, peut-être une centaine de chaînes de télévision. Autrefois, ce n'était pas comme ça. Autrefois, c'était une seule chaîne de télévision, la RTS, par exemple. Et là, eh bien, il fallait tout simplement suivre les programmes qui étaient proposés. Tout à fait. Donc, on subissait. On n'avait pas le choix. Et quand on subit, on est influencé parce qu'il faut... Il ne faut pas oublier qu'en Afrique, dans certains quartiers, ou en Afrique d'une manière générale, je dirais même pas dans certains quartiers, mais d'une manière générale, en Afrique, il n'y a pas beaucoup de distraction pour les enfants. Il n'y a pas beaucoup de lieux pour qui permettent aux enfants
de faire autre chose que de regarder la télé. Mmh. À partir du moment où l'enfant n'a que la télé comme distraction, mmh. c'est un danger. C'est un danger, ce qui veut dire que la télé va en partie influencer ses pensées. Oui, tout à fait. Et encore une fois, pour nous autres Sénégalais, qui sommes... donc, le Sénégal est une ancienne colonie française. Mmh. Ce qui fait qu'on reçoit des programmes français, tels que Les Feux de l'amour. Voilà. Donc, encore une fois, on subit. Mmh. Et quand on regarde des programmes comme Les Feux de l'amour ou... bon, après, les autres programmes, on avait aussi Derrick, bon, bah... voilà, l'inspecteur Derrick. Mais la plupart des séries qu'on nous présentait, on voyait plutôt de la tendresse. Oui. Voilà, on nous montrait que l'homme blanc est tendre. Oui. Que l'homme blanc est doux, mmh, romantique. Et tout le bazar. Voilà. On commençait à nous mettre la pression. Ouais, pas dit, le blanc, on n'est pas. Ouais, il faut donner les roses et la chienne. Voilà. Vas-y. Voilà. Mmh. Que c'est un homme passionné, passionné. Mmh. Passionné, passionnant. Voilà. C'est cette image-là que l'on reçoit de l'homme blanc. Mmh. Alors, des gens comme moi, parce que tout le monde n'est pas victime. Mmh. Des gens comme moi, ben on s'est dit, ben tiens, c'est intéressant. Mm-hmm. Si l'homme blanc est tout ce que la télé raconte, je vais me trouver mon blanc. Pour pouvoir vivre ce que j'ai vu à la télé. Ouais. Recevoir cette tendresse-là, mm-hmm. parce que mes confrères, il paraît qu'ils sont plutôt durs avec les femmes. Mm-hmm. Alors, on n'a pas essayé, dès l'adolescence, on se met ce blocage-là. Ouais. Pourquoi ? Parce que c'est la télé qui nous fait croire que. Mmh. Après, encore une fois, tout le monde n'est pas victime de ces images-là. Il y a bien entendu, et heureusement, certaines de nos consoeurs qui sont mariées à nos confrères. Heureusement. Heureusement. Mmh. Et donc, pour les victimes... Elles partent donc de ce postulat, mais malheureusement, une fois avec l'homme blanc, elles découvrent le poteau rose. Mmh. Voilà. Alors, on ne sait pas comment. C'était pas vrai, c'était la télé. C'était la télé. Ce n'était que du cinéma. Oui. La réalité est tout autre. Bon, là tu dis la réalité est tout autre. Qu'est-ce qui te permet de dire que la réalité est tout autre? Est-ce que c'est parce que tu l'as vécu ou alors tu connais des gens qui l'ont vécu? J'ai bien dit que les gens comme moi, mm-hmm. qui ont été victimes de... Comme toi. Ça veut dire que tu as été victime. De ces images. Donc, qui ont été influencés mm-hmm. par ces images, qui ont cru mm-hmm. que c'était une réalité, que cette douceur qu'on nous montre, c'est une réalité. Mm-hmm. Oui, je suis même mariée mm-hmm. Toujours à un Français de souche. Mm-hmm. Je suis bien placée pour dire que le mythe de l'homme blanc... Doux, attentionné, romantique et tout le bazar, ça reste un mythe. Ça reste un mythe. Aïe, aïe, aïe. Ok. Bah, en tout cas, moi, je me dis quelque part que tant mieux. Parce que on est toujours passé pour les mauvais. Tout à fait. Les moins romantiques et tout. Donc, ça veut dire quelque part, on n'est pas si mauvais que ça. Exactement. Ok. Et toi, aujourd'hui... L'idée dans ton livre, c'est de sensibiliser, j'imagine, les femmes qui sont victimes de ces mythes-là pour leur faire comprendre que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Tout à fait. Ok. Donc, quand tu dis les sensibiliser, c'est leur dire quoi concrètement? Parce qu'en fait, ce message-là, elles le reçoivent. Mais qu'est-ce qu'il y aura de différent dans son message, dans ton message, qui fera en sorte qu'il sera peut-être plus écouté? Alors, dans ce livre, je raconte... différentes histoires vécues par des femmes africaines victimes de violences conjugales. Alors, il est question donc
de donner le maximum de renseignements à d'autres femmes qui sont de l'autre côté de l'Atlantique, qui n'ont pas encore sauté le pas, pour leur dire, attention, vous voulez venir en Europe via le mariage avec un homme blanc, voici ce qu'il faut savoir avant de vous engager. Et si toi tu avais su tout ça, est-ce que tu serais quand même mis avec un homme blanc? Je n'ai pas dit que mon mari me traitait mal. J'ai pas dit ça non plus. J'ai juste dit, si tu avais su que l'homme blanc avait ces vices-là, est-ce que tu te serais quand même engagé? Parce que ça aurait pu te faire peur aussi. Oui. Alors, disons que, encore une fois, le danger, c'est quand on abandonne tout. Parce qu'on peut aussi être étudiante et venir en France. Oui. On peut venir en France de différentes manières. Mais si j'insiste sur le mariage, c'est parce que une fois sur place, on peut se sentir isolé. Ah. Et quand on est isolé, on est une proie facile. Ah, d'accord. Même quand on vient tant qu'étudiant et qu'on est seul, on peut aussi être isolé. Oui, mais j'ai cru comprendre que quand on est étudiante, on a peut-être une chambre à l'université. En fait, ok. Ça veut dire que si je te comprends bien, Marie, vulnérable. Ton message s'adresse à des femmes qui, de un, ont ce mythe de l'homme blanc, l'homme blanc parfait, qui est parfait. Et qui abandonnent tout dans leur pays avec pour seule destination le foyer dans lequel elles vont être accueillies. Tout à fait. Et qui ne se rendent pas compte qu'elles se prêtent ou bien qu'elles deviennent des proies faciles parce que dans ce pays, elles n'ont aucun point de repère et elles sont sous l'influence d'un homme qui, sous la dépendance même d'un homme qui pourrait faire d'elles ce qu'il veut. Exactement. Ok, d'accord. Très clair. C'est tout à fait ça. Et donc, du coup, tu portes ce combat-là de leur dire de faire un tant soit peu attention à cela. C'est ça. Ok. Bon, vas-y. Quels sont dans le livre, les conseils que tu penses donner à ces femmes-là qui se disent « Oui, je veux mon blanc ». Quels sont les conseils concrètement que tu leur donnes pour qu'elles puissent savoir que, ok, par exemple, là, tout de suite, j'ai pris l'exemple du fait qu'elle se retrouve en proie chez un homme qui pourrait faire d'elle ce qu'il veut. Quels sont les autres conseils que tu abordes dans le livre? Alors, j'ai envie de dire tout de suite, vendez-vous cher. Vendez-vous cher. Vendez-vous cher. Et ce serait pas de la prostitution. Ah ben, dans tous les cas, qu'on le veuille ou non, à un moment donné, on sera un objet. On sera traité comme un objet. C'est-à-dire. C'est-à-dire. Alors, on a beau incarner les valeurs d'une femme, une bonne épouse, une femme bien élevée, donc une femme qui a reçu une éducation. L'éducation de ses parents, une éducation exceptionnelle. Quand le blanc décide de te faire mal, il ne voit pas toutes ces valeurs-là. Et toi, tu penses que c'est propre au blanc ou que c'est propre à l'homme? À l'être humain. C'est propre au blanc. Ah, qu'est-ce qui te fait dire ça? Le blanc n'est pas dans les sentiments quand il décide de t'abandonner. Quand il décide de t'abandonner... Tu as dit... Le blanc n'est pas dans les sentiments quand il décide de t'abandonner. Oui, le blanc n'est pas dans les sentiments quand il décide de t'abandonner. Mm-hmm. Donc, quand il prend la décision de te jeter, on va dire, de rompre avec toi, pour être plus poli, il oublie tout ce que vous avez vécu. Est-ce que c'est propre au blanc, ça? C'est propre au blanc, je m'explique. Oui. Quand tu es avec un homme africain qui décide de rompre avec toi,
tu peux lui parler, tu peux l'aider à revenir à de meilleurs sentiments. La famille peut même intervenir. La famille peut intervenir. Les amis peuvent intervenir. Chez les Blancs, il n'y a pas ça. Ils sont maîtres de la décision individuellement. Oui. Oui et non. Ah. Ok. Et donc, tu te retrouves seul en France. On va prendre la France puisqu'on est en France. Tu te retrouves seul en France, sans tes parents, sans aucun membre de ta famille. Donc, séparé, et tu dois te battre toute seule pour trouver un logement. Pour vivre ? Non, pour trouver un logement dans un premier temps. Ouais. Parce qu'en général, tu vis chez lui. Ouais. Et quand il décide de rompre avec toi, il oublie que c'est lui qui t'a sorti de ton cocon. Bon, en même temps, c'est toi qui cherchais aussi. Parce que tu dis bien, je veux un Blanc. Ouais. Oui, donc, mais quelque part, le but n'était pas de se séparer. Oui, mais peut-être que ce serait aussi toi la cause de la séparation. Parce qu'on a vu des femmes venir d'Afrique avec un Blanc, mais quand elle vit avec le Blanc, après, elle a des aventures un peu bizarres avec un autre. Oui, peut-être. Mais encore une fois, si c'est l'homme noir qu'on a en face, on est capable, encore une fois, comme je l'ai dit tantôt, de le faire revenir à de meilleurs sentiments. Il suffit juste de savoir comment lui parler et il peut être sensible à notre peine et accepter de nous laisser le temps de trouver un toit. Et c'est la première fois que j'entends une femme noire parler aussi bien de pareillement. Pareillement. Ça fait plaisir. Ce sont des moutons noirs. Généralement, c'est le pire et tout. Ah ouais. Donc, toi, de ton expérience, tu te rends compte que quelque part, il y a ce volet-là qui est là, cette face obscure du Blanc-là. Donc, c'est un peu passé que avec l'homme Blanc, c'est soit je t'aime à fond et on est ensemble, je te découvre de tout, soit alors c'est fini et je ne veux plus entendre parler de toi, tu te démerdes et tout le bazar. Oui, c'est comme un bouton sur lequel on appuie et puis quand c'est fini, c'est fini. D'accord. Et les femmes, c'est pas qu'au Sénégal, qui veulent leur Blanc. Ok. Elles sont en France avec leur Blanc. Ok. Moi, la question que je m'avais posée, c'est dans un couple mixte, c'est quoi le plus difficile? Le plus difficile, peut-être, le juste milieu à trouver pour que chacun ait son équilibre. Parce que vous êtes deux personnes différentes, donc deux cultures différentes. Pas la peine de préciser de sexe différent. Et donc, il y a beaucoup de choses qui vous différencient. Il faut donc beaucoup de patience, beaucoup de compréhension, beaucoup de communication, enfin, une bonne communication pour pouvoir cohabiter. Il y a des petits détails à savoir. La télé. Les chaînes que vous allez regarder. Pour la plupart pour la plupart du temps, c'est plutôt des chaînes européennes. Oui, la plupart. Ouais. Même si on est en Europe, pourquoi se couper de son monde? Pourquoi se couper de son monde? Mais toutes les femmes africaines mariées à des hommes blancs que je côtoie me disent, moi, j'ai abandonné la télécommande. C'est monsieur qui regarde. C'est monsieur qui décide des chaînes que l'on doit regarder. On subit. Mais c'est surprenant parce qu'en réalité, le combat des femmes aujourd'hui, c'est de se dire les hommes sont toujours ceux qui veulent prendre le contrôle. Nos sœurs, écoutant ce combat, quand je parle de nos sœurs, non, écoutant ce combat, ils disent que de toute façon, c'est vrai, moi je ne mets pas un homme noir parce que la culture noire est patriarcale. Ouais. Et on passe le temps à donner le pouvoir à l'homme qui nous impose des trucs. D'entendre que dans un foyer mixte, l'homme là, ça se passe exactement de la même façon, je me dis, les sœurs, qu'est-ce que vous allez finalement faire? Et est-ce que tu penses que ça pourrait être lié au fait que,
Il a voulu une épouse, peut-être il a une femme d'une autre nationalité, d'une autre origine qui est noire. Est-ce que tu penses que ça pourrait être lié au fait que quelque part ils se sentent supérieurs? Mais tout à fait. Tout à fait. Quels que soient les diplômes qu'on a, quelle que soit l'intelligence qu'on a, l'homme blanc n'acceptera jamais la femme noire, donc que la femme noire soit supérieure à lui. Je dis l'homme blanc, l'inverse aussi est possible, mais là, puisque je m'adresse aux femmes africaines, donc je dis l'homme blanc, votre époux, n'acceptera jamais que vous preniez le lead. D'accord. Et une femme noire qui en est consciente, mais qui continue à accepter cela, qu'est-ce qui pourrait justifier cela? Alors, déjà, quand on est marié, le but, c'est de rester ensemble jusqu'au bout. Oui. Sauf dans les cas extrêmes, puisqu'on parle de violence conjugale. Quand il y a violence conjugale, eh bien, je pense qu'il faut partir tout simplement. Quelles que soient les violences, parce que l'homme blanc peut vous tuer sans lever la main. Là, on parle de violence psychologique, si je me trompe. De violence psychologique. Est-ce que je peux nous en dire plus? Oui, bien sûr. Alors, vous savez, quand vous quittez votre pays natal, une fois en Europe, vous avez toute une famille qui compte sur vous. Tout à fait. Et ça, ça pèse sur la balance du couple. Quand votre mari vous voit envoyer de l'argent en Afrique pour votre mère ou pour votre frère ou je ne sais qui, lequel des membres de votre famille, ça ne passe pas dans le couple. Oui, parce que culturellement, c'est pas ce que son... Exactement. Oui. Culturellement, certes, mais le simple fait que toi, en tant que femme noire, tu lui imposes ta culture qui est que c'est à l'homme de prendre soin de toi. S'il a arrivé à accepter cela, s'il a réussi à faire ce pas vers toi, et qu'après, tu lui imposes aussi ta famille, il faut comprendre que c'est lourd aussi pour lui. Tout à fait, ça s'entend. Et ça, des fois, l'homme blanc le prend comme arme pour rabaisser son épouse, lui rappeler qu'elle n'a pas grand-chose, qu'elle n'est rien, qu'elle est sous son toit. Donc, quand ça arrive, on a les réflexes de se dire, si j'étais avec un homme noir, il me comprendrait. Il ne me parlerait jamais comme ça. Parce que l'homme noir, c'est automatiquement que c'est lui l'homme, que c'est à lui de prendre certaines charges. Est-ce que tu dirais donc que le mariage étant quelque chose de sacré, il est important de garder à l'esprit que c'est aussi et surtout culturel? Est-ce que tu serais de ces personnes qui aujourd'hui, après avoir fait l'expérience d'un mariage mixte, ces personnes qui diront que, écoutez, c'est bien beau, vous voulez un mari blanc qui est apparemment un mari parfait, mais écoutez, sachez que la culture est primordiale dans un mariage. Est-ce que tu serais aujourd'hui capable de donner ce conseil? Parce que là, tu viens de dire exactement que il y a des choses que tu as besoin d'expliquer parce qu'il est blanc et que si c'était un mari noir, tu n'aurais pas besoin d'expliquer. Bien sûr, c'est ça aussi qui fait la richesse du couple, c'est que vous êtes différent, vous pensez différemment, vous agissez différemment. Maintenant, tout dépend de la personne qu'on a en face. Si c'est une personne qui est à l'écoute, qui accepte encore une fois de faire un pas vers vous parce que vous avez tout quitté, c'est un très grand pas. De quitter ses parents, de quitter peut-être son travail, de quitter ses amis et de choisir un homme que l'on ne connaît pas, d'arriver dans un pays où tout est différent. Pour moi, c'est un très très grand pas. Et parfois, l'homme blanc ne prend pas en compte tous ses sacrifices. Mais parce que pour lui, c'est un privilège d'avoir fait venir en Europe. Exactement. Enfin, il te fait un privilège. Tout à fait, c'est lui, il t'a fait une faveur. Dans son registre à lui, il t'a fait une faveur. Et en même temps, c'est comme ça qu'on vend la chose. Ouais. Oui,
C'est la raison pour laquelle je tire les sonnettes d'alarme pour dire aux filles de faire attention. Et de se vendre cher. Et de se vendre cher. En se vendant cher, peut-être qu'elles pourront échapper à des traumatismes qu'elles auraient pu subir. Parce que le fait de prendre le temps de savoir à qui on a affaire peut peut-être les sauver. Et aussi, pour compléter ce que tu viens de dire, le fait de connaître quels sont les enjeux derrière permettront qu'on arrête, bon, qu'elles arrêtent de se mettre dans la position de celle qui reçoit, mais aussi de rappeler à l'homme qu'en fait, c'est un mariage, la faveur, on se la fait l'un pour l'autre. Donc, ne pense pas que je viens pour uniquement être... Pour me prendre en photo à la Tour Eiffel. Exactement, pour être à la merci de ta personne, mais plutôt, sache que je fais des sacrifices de mon côté, de la même façon que tu fais des sacrifices de ton côté pour me faire venir. Ouais. Tout ça, c'est possible quand on a conscience de ses valeurs. Mais quand on part du principe qu'on a en face de soi quelqu'un qui nous apporte le matériel, donc on ne cherche pas à connaître les valeurs de notre partenaire, on se met en danger. Ah, c'est fort ça. C'est ça la difficulté. Et du coup, avec les enfants, parce que j'imagine que la question de l'enfant dans un couple mis, c'est une question très délicate. Ouais. Du coup, lorsque tu fais un homme, pour une femme, parce que je vois encore beaucoup de femmes qui disent qu'elles veulent des enfants métis. Et pour ça, elles sont prêtes à tout pour avoir leur enfant métis. Et qui dit métis, dit forcément père blanc. Père blanc. Quel conseil est-ce que tu donnerais à une femme qui décide d'avoir un enfant métis en termes d'organisation, d'éducation? Ce n'est pas toujours facile d'éduquer un enfant issu de couples mixtes parce que bien souvent, l'enfant choisit le pays qui lui apporte plus de confort. Qui dit confort dit sécurité. Ou du, bon, est-ce que tu ne penses pas que ce serait le pays dans lequel il réside? Le pays dans lequel il réside, oui. Pour l'exemple... que je donne depuis le début, donc la France, oui, c'est plus facile. C'est plus facile de se dire qu'en France, on a peut-être des aides, tout dépend des situations, plutôt que de voir des images à la télé. Bien sûr, là, je parle d'un enfant, hein, de voir à la télé des images qui parlent d'Afrique, mais des images qui ne parlent pas de l'Afrique d'une manière positive. Alors, ça fait peur. Ça fait peur à l'enfant. Ça ne lui donne pas envie d'y vivre. Tout à fait. Mais est-ce que ce n'est pas là la responsabilité à ce moment-là, n'est pas celle de la maman de rassurer son enfant et de lui dire, écoute, ce pays que tu vois à la télé, c'est où j'ai grandi. En fait, il y a du bon. Ne te fie pas juste au mauvais qu'on te présente à la télé. Sache que c'est de là où tu viens, c'est la télé de tes ancêtres. Est-ce que ce n'est pas la responsabilité de la maman aussi d'avoir un discours positif? Avoir un discours positif ne suffit pas. Si les moyens se présentent, c'est mieux de faire des voyages avec l'enfant, de faire le tour, je dis du Sénégal, mais ça peut être du Cameroun ou d'un autre pays d'Afrique, et de lui montrer... nos origines, de lui montrer nos valeurs, de lui montrer nos parents, nos coutumes, nos croyances, de tout lui montrer, de prendre le temps de lui expliquer. Et moi j'aurais une question, peut-être pas le volet enfant, mais ce serait peut-être le volet un peu plus religieux, coutume, religieux, spirituel et tout le bazar, puisque tu es chrétienne. Très souvent, en Afrique, je vois des femmes noires qui, elles se disent, moi, je veux absolument un... Lorsque ce noir dit, je veux absolument un homme qui croit en Dieu. Sauf quand, c'est, quand il faut se mettre avec un blanc, ouais. Tout de suite... Elles sont prêtes à laisser ce critère-là. Elles sont prêtes à mettre de côté ce critère-là de côté. Bah, dans tous les cas, le blanc vous pervertit. Ouais, c'est fort, voilà. Ça. C'est à dire... Attends, je comprends pas, là. je comprends pas. OK, tu peux reprendre dans tous les cas? Dans tous les cas, le blanc vous pervertit. C'est-à-dire? Alors... quel que soit
notre religion. Quand on est avec un blanc, là je vais partir dans les extrêmes parce qu'il y a aussi quelques blancs qui sortent du lot, on va dire des blancs saints d'esprit, mais la plupart du temps, on a affaire à des blancs un peu fous. Vous savez, en France, il y a beaucoup de fous. Habillés. Beaucoup de fous habillés. Ouais. Chez nous, les fous, on les voit, ouais. On les reconnaît, on les connaît, on les côtoie. On connaît leurs problèmes. Mais ici, les fous sont en costume, cravate. Les fous sont comme nous, ils ressemblent à tout le monde. Et donc, quand on se marie à quelqu'un qui est un pervers, par exemple, après qu'on ait quitté sa famille, son pays, après qu'on ait tout quitté pour cet homme, alors je vous laisse imaginer le calvaire qu'on va vivre. Ouais. C'est jeter la gueule du loup. Quelqu'un qui va vous demander de l'accompagner dans les clubs échangistes. Est-ce que dans votre pays, vous connaissiez déjà ce mot? Je ne pense pas. Non. Voilà. Fraîchement venu du Sénégal, non, je pense pas. Voilà. Donc, on est exposé à tout ça. On est exposé à des hommes qui ont des fantasmes qu'on ne connaissait pas quand on était au pays. On se met en danger. Je ne dis pas que tous les hommes européens sont comme ça, ou tous les Français sont comme ça. Encore heureux. Non. Mais, encore une fois, il y a plus d'hommes blancs fous qui paraissent normaux que le contraire. Okay. Et c'est important que mes consoeurs africaines le sachent. Et tu vas me dire ce que tu en penses en tant que femme. Très souvent, c'est ce que j'ai entendu, moi j'en sais rien. Très souvent, j'ai entendu que les hommes blancs voient plus les femmes noires comme des objets, j'ai jamais de dit sexuel, avec expérimenter des trucs. Toi, tu en penses quoi? C'est la raison pour laquelle j'ai dit vendez-vous cher. Parce que dans tous les cas, il arrivera le moment où il vous dira, où il vous fera comprendre tout simplement que vous êtes un objet. Vendez-vous cher. Est-ce que le fait de dire rendez-vous cher n'est pas un message un peu, comme il a dit tout à l'heure, est-ce que ce n'est pas de la prostitution? Est-ce qu'il ne faut pas carrément dire à nos sœurs noires que, écoutez, le blanc, arrêtez de le chercher? Non, pas forcément. Pas forcément. Parce que un blanc qui arrive, on va prendre cette fois-ci l'exemple du Cameroun. Donc, qui arrive au Cameroun, qui croise une certaine Fatimata, qui veut l'épouser, Fatimata a le droit de lui imposer une dot salée. Ok. Même avant de parler de dot, parce que quand on parle de dot, on parle de mariage. Elle peut, dans un premier temps, pour le tester, ben, lui faire part de ses projets professionnels. Et si ce dernier fuit, elle comprend que ce n'était pas quelqu'un de sérieux. Oui. Et s'il est sérieux, il peut peut-être tenir un discours audible. Quelqu'un qui vous dit ouvertement, je voudrais bien te donner ce que tu me demandes, mais laisse-moi tant de temps. Laisse-moi tant de temps, ou tout simplement bah, quelqu'un qui se débrouille pour vous donner ce que vous lui avez demandé. Bon, là on est beaucoup dans la position de c'est la femme qui demande. C'est la femme qui demande, c'est la femme qui impose ce qu'elle veut. Ouais, et qu'est-ce qu'elle apporte en échange sur la table? Qu'est-ce qu'elle apporte en échange? Le simple fait de partir, de laisser tout ce qu'elle a construit, pour moi c'est déjà beaucoup. Mais la question maintenant, c'est... Qui veut partir? Qui veut la relation le plus? Parce que on dit, mais je crois que la grande majorité des femmes, quand elles se mettent avec un blanc, la grande majorité, c'est dans l'idée de « je veux aller m'installer avec lui en France ». Tout à fait, c'est le sous-développement qui fait qu'on rêve encore de l'Europe. D'accord. L'idée de se dire
qu'on va partir. Du coup, partie, ce n'est plus partie du pays, ce n'est plus. Ce n'est plus que loup, oui. Oui, justement, parce qu'on ne sait pas, parce qu'on croit, encore une fois, que l'herbe est plus verte ailleurs. Donc, on se dit, je vais partir, ce sera forcément mieux. Mm-hmm. Je vais laisser Moussa à côté, là, il va bien voir que je vais devenir madame de la rue. Et puis, ma vie va changer. Sauf que, oui, votre vie va changer. Mais une fois en France, on peut faire face à la solitude. Tout à fait. Il y a beaucoup de femmes africaines mariées à des hommes blancs qui vivent une frustration d'une dimension, mais je ne sais même pas comment la quantifier. Frustration à lire. Frustration dans tous les sens du terme. Alors, on dit à l'homme africain de ne pas épouser plusieurs femmes, que ce n'est pas bien. Ce que les blancs font, c'est pire. Officiellement, ils ont une femme. Mais officieusement, c'est des coureurs de première. Wow. Alors, pourquoi salir nos hommes noirs? Pourquoi? Il y a quelque chose à boire pour cette... Est-ce qu'il y a quelque chose à boire, s'il vous plaît? C'est faux. Je ne comprends pas. L'homme blanc va te rabaisser parce que tu es chez lui, donc dans sa maison. Il a le pouvoir. Tu ne peux pas bouger, tu as tout abandonné. Peut-être même que tu n'as pas de travail. Donc, tu n'as pas de toi, tu es chez lui, tu dépends de lui. Il va te tromper. Je ne pourrai rien faire parce que de toute façon, tu dépends de lui. Il va te tromper peut-être avec une femme, peut-être avec un homme. On ne sait pas. C'est pas vrai. Tout est possible. Tu vas subir. Mais à ce moment-là, tu es avec lui, mais est-ce que tu es en train de te préparer à partir, en fait? Tu subis, mais en fait, c'est parce que tu attends, tu te prépares pour partir. Déjà, pour partir, il faut décider de se séparer du bien matériel. Mm-hmm. Pour partir, il faut renoncer. Mm-hmm. Au confort qu'il t'offre. Est-ce que toutes ces femmes-là, qui sont victimes de violences conjugales, sont prêtes à renoncer aux biens matériels? Point d'interrogation. Mais du coup, là, elles peuvent s'en prendre qu'à elles-mêmes. Parce que le niveau de courage avec lequel tu vivras sera déterminant sur le niveau de confort de vie que tu souhaites avoir. Ouais. Oui et non. Quand tu dis « elles ne peuvent s'en prendre qu'à elles-mêmes », oui et non. Oui et non, parce que peut-être qu'au début, elle voulait partir, mais arrivée à un certain stade, à un certain degré de souffrance, on peut devenir un légume. On peut arriver à un point de non-retour. Et quand on en arrive là, il est difficile de nous sauver. C'est pourquoi je parle de violence où on ne lève même pas la main sur toi. On peut te tuer juste en te rabaissant tous les jours. Mais il faut juste prendre conscience que ce n'est pas normal. Et donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Il ne faut pas rester isolé. Et encore, il faut trouver la bonne personne à qui en parler, parce que c'est très délicat. Oui. Ce n'est pas la bonne personne. Il faut aller voir les associations. Il y a des associations qui sont là pour les femmes victimes de violences conjugales. Noires comme blanches. Mmh. Il faut aller les voir. Il faut leur parler. Pourquoi je ne parle pas de la police dans un premier temps? Parce qu'il peut arriver qu'on ait l'idée d'aller faire une main courante ou porter plainte. Et on tombe sur un policier ou une policière qui nous enfonce. Ouais. Au lieu de nous aider, la personne fait tout le contraire. C'est-à-dire? C'est le racisme, tout simplement. Ah,
Ok. Et ça se manifeste comment, ce racisme? Alors, quand vous avez en face de vous quelqu'un qui ignore ses droits, vous pouvez lui donner de fausses informations. Oui. Tout simplement. Mais est-ce qu'en tant que policier, justement, ça ne tombe pas sous le sens? Parce qu'il est censé être celui-là qui... Il est censé, mais il ne fait pas. Il est censé... Parce que la femme est noire. Parce que la femme est noire. Parce que, selon elle ou selon lui, ben, cette personne-là vit dans le confort, de quoi elle se plaint. Ben, après tout, elle l'a bien voulu. Hop, on tire des raccourcis. On tire des raccourcis, on vous donne de fausses informations. Alors, on peut ne pas vous donner de fausses informations et faire autre chose, c'est-à-dire vous enfoncer tout simplement. Vous posez des questions en sachant que vous allez donner des réponses qui ne seront pas à votre avantage. Ouais. Oui, tout ça c'est possible. C'est la raison pour laquelle je dis, dans un premier temps, ce qu'il faut faire, c'est d'aller voir les associations qui aident les femmes de victimes, donc les femmes victimes de violences conjugales. Elles peuvent vous aider à trouver un bon avocat. Elles peuvent vous aider à trouver dans une gendarmerie la bonne personne à qui s'adresser. Les associations viennent cette fois-ci être là comme des intermédiaires. Tout à fait. Parce que même l'avocat que vous allez trouver, l'avocat lui-même ou elle-même, peut vous donner des conseils qui vont vous enfoncer. Oh. Tu vas m'excuser, ça va être un peu personnel ma question, mais tu en parles avec un calme, avec une... J'ai l'impression de lire dans tes yeux que c'est un problème qui est beaucoup plus récurrent que ce qu'on pense. Les femmes africaines victimes de violences conjugales ne parlent pas toutes de leurs mots. Mmh. Il y en a beaucoup qui laissent le paraître parler. Mais en tant que femme africaine, j'ai le privilège de les avoir souvent au téléphone. Enfin, d'avoir quelques exemples de femmes qui vivent dans des situations mais déplorables, qui me racontent leur calvaire. Et pourtant, ces femmes-là, quand on les voit, quand on les croise dehors, on ne peut pas imaginer. Parce que tout ce qu'on voit, c'est une femme... bien maquillée, qui a peut-être une très belle voiture. Tout ça, c'est le paraître. Tout ça, c'est le paraître. Mais est-ce que l'une des raisons qui fait qu'elle ne puisse pas se confier, c'est qu'elle se dise un peu, ouais, j'ai quand même bien cherché, je n'ai pas... En fait, je n'ai vu que l'avantage que m'apportait ce mariage blanc. Non, ce mariage avec un blanc. Et je n'ai pas pris le temps de... poser les fondements. Est-ce qu'elle ne culpabilise par raison pour laquelle elle se dise peut-être je le mérite tout simplement? Non, pas forcément. Je pense qu'elles ont tout simplement peur. Peur de quoi? Peur de partir. Peur de se retrouver seule. Peur de ne plus avoir ce confort. Donc dans peur, j'inclus beaucoup de choses. Et très souvent aussi, j'ai rarement vu une femme noire qui, après s'être séparée d'un homme blanc, décide de retourner avec les noirs. Qu'est-ce qui explique ça? Ah, donc tu veux dire que la femme noire qui a déjà vécu une histoire amoureuse avec un homme blanc... Très souvent, elle a tendance à rechercher à chaque fois un homme blanc. Avec un homme blanc. Très souvent, c'est ce que j'ai remarqué. Peut-être par habitude. Peut-être par habitude, parce que quand vous vivez dans un couple mixte et que tout se passe bien, vous avez un certain confort. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la belle famille à gérer. Ça, c'est un confort. La famille du mari. Du mari, oui. Voilà. Vous pouvez sortir quand vous voulez, en
tant que femme mariée, mais voilà, vous avez une certaine liberté pour aller, je sais pas, ben, où vous voulez, avec vos copines, quand vous voulez, il n'y a pas de problème. Peut-être que cette liberté-là fait que la femme noire se dit, ben non, si je me mets avec un homme noir, il ne va pas me comprendre, il ne va pas m'accorder cette liberté. Et étant donné donc qu'il y a tous ces avantages, est-ce que les femmes noires ne pourraient, en fait, tous les inconvénients qui vont avec seraient donc le revers de la médaille? Pourquoi ne comprendrait pas une femme noire que, en fait, je voulais l'envers de la médaille, tout brillant, mais l'envers est aussi crasseux que ça? Pourquoi elle n'accepte pas que c'est le prix à payer? Si on part du postulat qu'au départ, elle ne savait pas, parce que notre débat a commencé sur ça. Elle ne savait pas, elle pensait que, bon ben voilà, avec l'homme blanc, on a plus d'avantages qu'avec un homme noir. Mais une fois qu'elle sait tout ça, elle est libre maintenant de choisir. Mais encore une fois, c'est peut-être tout simplement par habitude. Quand on a certaines habitudes, il nous est difficile de se dire, eh bien, peut-être avec un homme blanc, je vais passer mes journées à cuisiner du mafé, du tieb, et j'aurai même plus le temps de prendre soin de moi. Ce n'est peut-être pas vrai, mais c'est une petite peur qu'elle a. Elle appréhende, parce qu'elle ne sait pas si l'homme noir pourra lui accorder cette liberté voilà, d'être une femme. D'être une femme. Bon, écoute, franchement, très intéressant, mais je ne saurais finir cette interview sans poser la question du regard des autres. Quand on est dans un couple mixte, j'en vois passer. Moi-même, je m'empêche avec beaucoup d'efforts de juger. Mais comment est-ce qu'on se sent face au regard des autres? Premièrement, le regard de blanc sur notre couple mixte et le regard des confrères noirs sur notre couple mixte. Ça dépend de la ville où... De la ville, bah oui. Quand on est à Paris, on se fond dans la masse. C'est courant. Mm-hmm. Oui. Maintenant, quand on se retrouve... En Normandie. En Normandie. La bourgeoisie blanche. Bah, là, ça passe difficilement parce qu'on est l'intrus. Ouais. Bon. On est l'intrus. Tant vis-à-vis des Noirs que vis-à-vis des Blancs. En Normandie, tout dépend où en Normandie. Il y a des endroits en Normandie où on ne croise pas beaucoup de Noirs. Ouais. Maintenant, qu'est-ce que que pensent les hommes noirs ou enfin la communauté noire des couples mixtes? Ouais, quel est le regard, à moins que ça soit des personnes conservatrices, parce qu'il y a des gens de notre communauté qui ne veulent pas se mélanger. Oui, 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 c'est vrai. Ils ont le droit. Tout à fait. Donc, forcément, il y a des gens qui vont se dire, bon ben, pourquoi cette femme-là est avec un blanc? Bah, d'ailleurs, ça me rappelle qu'une fois en Afrique du Sud, j'étais partie dîner avec un ami portugais. Et même si je suis sénégalaise, les Africains, les Sud-Africains qui m'entouraient n'arrêtaient pas de me dire, mais pourquoi tu es avec lui? Sista, pourquoi tu es avec lui? Peut-être il y a l'histoire de l'apartheid. Bien sûr, il y a l'apartheid qui est donc à l'origine de ce frein. Oui, bien sûr. Ça se comprend en même temps. Ça se comprend. Même des années après. Oui, bien sûr. Les stigmates sont toujours là. Ah oui, ça n'a pas duré deux jours, quoi. Bien sûr. Donc, il y a des personnes de notre communauté qui ne valident pas
le couple mixte. Ça se comprend. Quand on voit tout ce que les blancs vous suivent au noir, ça se comprend. L'inverse n'a pas été vrai. Ouais. Bon, ça se comprend. Donc. Et une dernière question. Quelle réponse donnes-tu aux personnes qui disent si une femme noire est avec un blanc, c'est certainement pour le prestige et non pas pour l'amour? Bonne question. Alors, ça, c'est quand on pense que tous les blancs sont riches. Oui. Tous les blancs ne sont pas riches. Et vous verrez dans le livre des exemples précis que je donne qui font peine à... Comment je vais le dire? Quand les Africaines qui vont acheter mon livre vont le lire, je pense qu'elles vont plutôt tomber des nues. Parce qu'on ne s'imagine pas qu'un homme blanc est calculateur. Ah oui. Calculateur, c'est-à-dire, je veux bien comprendre. Oui, vas-y. Toutes les dépenses sont calculées au millimètre près. Oh, ok. Et elles sont justifiées. Hmm. C'est bien, ce n'est pas bien, je n'ai pas de jugement. Mais c'est important de le savoir. Est-ce que ça veut dire que si la femme fait un achat, elle devra le justifier devant son mari? Elle devra le justifier. Okay. Elle devra le justifier. Maintenant, le justifier, tout dépend de la personne en face. Elle peut bien dire à son mari, bon ben j'ai acheté ça et ça et ça, et que son mari lui réponde d'accord et ça s'arrête là. Dans d'autres couples, ça ne se passe pas comme ça. Allez, vous allez justifier pourquoi, mais ça peut durer des heures, ça peut être source de conflit. Il y a des femmes qui se cachent pour commander ne serait-ce qu'une paire de chaussures parce qu'elles ont un compte commun avec leur mari. Toutes les dépenses sont justifiées. Alors, dire que qu'on se marie avec un homme blanc parce qu'il a de l'argent, il faut vivre avec lui pour le savoir. Pourquoi? Bon, c'est vrai que les médias, en même temps, souvent, c'est un peu qu'on idéalise les blancs. Ouais. Et quand on est en Afrique et qu'on n'a pas fréquenté les blancs, on les idéalise. Mais pour peu qu'on commence à les fréquenter, on se commence à se dire, c'est pas si beau que ce qu'on nous a fait croire. Non. Non. Loin de là. Très loin de là. très loin de là. Mais je pense que cet échange pourrait durer encore longtemps. Ouais. Mais j'aimerais quand même dire quelque chose qui me marque au cours de cet échange. C'est que je découvre au cours de cet échange une autre personne. Je ne sais pas pour toi. Pareil. Mais je découvre une toute autre personne parce que les choses qu'il a dit d'une manière assez crue. Ouais. Les mots sont très précis, mais surtout, tu es très calme. Mmh. Et ça, c'est dangereux. très dangereux. Ah ouais. Parce que tu sens que c'est quelque chose qui a mûri dans ta tête. C'est quelque chose à laquelle tu penses depuis fort longtemps. Ouais. Et moi, je pense que moi, c'est exactement de quoi elle parle. Exactement de quoi elle parle. Et tu sens qu'il y a vraiment un message précis qu'elle a envie de faire passer. Je ne sais pas à qui, mais je sens qu'il y a un message précis qu'elle a envie de faire passer. Moi, je vais juste dire que j'ai hâte de lire le livre parce que j'ai besoin d'arguments pour la prochaine fois. Dis à mes soeurs, écoutez, vos blancs que vous pensez, ils sont roses là, sachez qu'ils sont très noirs. Bon, parce que moi, j'ai jamais entendu une femme noire dire autant de bien des hommes. Pareil, pareil. Jamais. Pareil. Alors, un petit exemple, encore une fois, pour valoriser l'homme noir, l'hygiène. Ah ouais. Je reste sur mon exemple sur le Sénégal parce que je ne maîtrise pas trop les autres pays d'Afrique. Mais je pense que je n'ai pas de souci à me faire. On est tous pareils. Ouais. Voilà. Quand tu sors avec un homme sénégalais, tu n'as pas besoin de lui dire « Chérie, va te laver ». Tu n'as pas ce problème. Oh là là. Il le fait. Mais il ne le fait pas pour toi. Il ne le fait pas parce que tout à l'heure, tu vas lui faire des câlins.
il le fait parce qu'il doit le faire, parce que c'est normal de le faire. Alors quand tu vis avec un homme blanc, ce n'est pas toujours ça. Et c'est eux qui aiment les choses croustillantes. C'est compliqué. Oh, c'est terrible ça. Ok. Wow. C'est compliqué. C'est très compliqué à gérer. Compreneurs comprennent ce qu'elle veut dire par chose croustillante. Oh là là. Bref. Je ne sais pas si on va arrêter pour aujourd'hui comme c'est ça. Mieux qu'on arrête. Bref, pour ceux qui veulent en savoir plus, le livre sortira très bientôt. Le titre, déjà en lit, là. Je veux un blanc. Je sens que ça va être un livre qui va. Déjà, je sens que quand ce podcast va sortir. Ça va s'ouvrir à toi, là. Ben écoute, on arrive presque au terme de notre échange. Et est-ce qu'il y a un dernier mot? Dernier message que tu aimerais faire passer en regardant la caméra? Je dirais aux femmes africaines qui vivent en Afrique, qui cherchent un homme blanc, de faire très très attention à elles. Ici, ce n'est pas le paradis. On souffre. Je ne dis pas qu'on souffre toutes. Il y a aussi des femmes africaines mariées à des hommes blancs, donc heureuses. Mais je sais de quoi je parle. On souffre beaucoup. Je ne vais pas rentrer dans les détails. En tout cas, le message est assez clair. Ouais. Le message est assez clair. Arthur. Si j'ai un seul mot à dire, je dirais que l'herbe n'est pas verte ailleurs. On l'a bien appris tout le long de ce podcast. Et en plus, si la culture a été mise en place, c'est bien sûr pour encadrer l'institution qu'est le mariage. Donc, quand vous vous mariez avec votre frère noir, non seulement vous mariez avec ce que vous connaissez, mais vous avez la culture autour pour vous protéger, pour protéger votre mariage. Yes. Moi, pour chuter, moi, j'aimerais juste dire une chose qui est assez simple. C'est que c'est vrai, chacun se met avec la personne avec qui il se sent bien. Mais ce que je déplore très souvent, c'est le fait que les femmes noires, quand elles se mettent avec un blanc, elles commencent à dénigrer les hommes noirs. Moi, je suis issu d'une famille, je suis dans une famille recomposée, mixte. Ma mère avec un homme blanc. En tout cas, bon, je vois qu'on ne connaît pas toujours tout, mais de ce que je vois, ils sont bien. Mais d'avoir un contre-avis quand même comme ça, ça permet de remettre un peu les choses en place en se disant peut-être qu'on n'est pas si mal que ça. Et c'est bien que le message vienne de toi, parce que ça va permettre aux autres femmes de relativiser. Et je pense de relativiser, et je pense même que les femmes qui ont pour habitude de dire que l'homme noir est ci, il est ça, et qui peut-être vivent ces galères-là, je pense qu'il est fort probable qu'on nous envoie plein de messages. Donc moi, je pose une question. Est-ce que tu veux laisser ton numéro afin que les messages arrivent directement chez toi? Oui. Ok. Donc, si jamais une femme veut te contacter par rapport aux galères qu'elle vit, comment est-ce qu'elle fait? Alors, elle me contacte et je lui donnerai je vais l'accompagner de façon à l'aider à trouver des réponses. Déjà, quand une personne est en difficulté, il y a urgence. Donc, j'insiste, il faut qu'elle soit en contact avec les associations qui aident les femmes victimes de violences conjugales. Et donc, qui ont contacté l'association? Comment on fait pour te contacter, toi? Comment ça se passe? Qui a un numéro de téléphone, une adresse mail? Alors, mon numéro, c'est le 06 42 69 28 75. On peut aussi me joindre sur Messenger avec le profil Marissania de Nation. Est-ce que tu n'as pas peur que des hommes blancs qui ne sont puis se sentent blessés dans ce que tu viens de dire? J'ai dans... hâte. Ah, j'ai ok. Hâte. Oh. Ouais. D'accord. J'ai hâte. Elle est prête. Elle est prête. Je suis prête. Ça confirme ce que je pensais. Ouais. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est en train de travailler dans sa tête depuis fort longtemps. Ouais. Ben écoute, en tout cas, nous, ça nous a fait plaisir d'entendre ça. Mais surtout, ça m'a aussi beaucoup attristé de savoir ce que certaines sœurs ou certaines mamans vivent. Ouais. Qu'elles donnent un os pour parler. Parce que pour nous, on a l'impression que c'est tout rose, sauf que. On se rend compte que c'est pas toujours ça. Exactement. Bon, ma personne,
J'espère que ce petit podcast t'aura été utile. Et si jamais tu vas aller plus loin, je pense que le week-end de l'écrivain, tu vas. tu risques de nous retourner à la salle. Hein? Ça, c'est clair. Ouais, ça va être quelque chose. Donc, si ce podcast t'aura été utile, n'hésite pas à le partager. Parce que je pense qu'il y a au moins une femme autour de toi qui aura besoin d'entendre ce message. Et au moins un homme aussi, parce qu'on parle de ça. Je pense que cette vidéo, autant les blancs que les noirs devraient l'écouter. Ouais. Parce que certains blancs, malheureusement, souffrent, moi, je trouve, d'un complexe de supériorité. Parce qu'ils se disent que voilà, ils sont blancs. Donc, quand tu le vois une femme noire, ils sont forcément supérieurs alors qu'ils n'en aient rien. Ouais. Je pense que parfois, ils sont victimes eux aussi. Ouais, ouais. Et peut-être que la regarder propagande. Ceci pourrait leur permettre de se poser les bonnes questions. Tout à fait. Donc, on est ensemble comme en décembre et on se ressemble. Minakano. La vraie richesse se trouve dans des livres. Ce 4 mai 2024, à l'hôtel Hilton de Roissy-Charles-de-Gaulle, la maison d'édition Argent Livre organise la 3e édition du Week-end de l'écrivain. Assister à un événement de prestige, célébrer les auteurs et entrepreneurs africains, et laissez-vous surprendre par des histoires incroyables. Soutenu par Copili, sponsor officiel du Week-end de l'écrivain. Parce qu'un Africain qui écrit, c'est une bibliothèque qui se construit.